Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour notre émission à l'origine, je vous retrouve à Ra'anana, en Israël. Située au nord-est de Tel Aviv, cette ville a été créée en 1912 pour accueillir de nouveaux immigrants. Elle est maintenant une ville florissante et nous nous trouvons dans l'un des magnifiques parcs pour rejoindre notre invité, Yossi Twitou. La ville de Ra'anana, située au nord-est de Tel Aviv et du centre du poumon économique du pays, accueille à bras ouverts les nouveaux immigrants. À une centaine de kilomètres au nord du pays se trouve Tibériade, une autre grande et belle ville au parfum multiculturel séculaire. Bonjour Yossi Twitou. Bonjour. Vous êtes guide touristique et éducateur en Israël. Nous allons aujourd'hui, en votre compagnie, parler de Tibériade, pour ensuite retrouver un reportage consacré à une magnifique synagogue antique située dans le parc national de la ville. Tout d'abord, d'où vient, selon vous, le nom de la ville de Tibériade et à quelle époque elle date ? L'époque de la ville de Tibériade, on est au début du 1er siècle, en l'an 20 très exactement. On connaît la date en fait de l'inauguration de la ville. Donc l'an 20, c'est un demi-siècle avant la destruction du Second Temple. On connaît aussi le constructeur de cette ville. Il s'agit du fils de Hérode, Hérode Antipas, un des trois fils de Hérode. Ces trois fils vont se partager le territoire du père et chacun essayer de briller au moins autant que son père. Donc c'est lui qui va construire cette ville, c'est lui qui va lui donner son nom. Et le nom Tibériade nous rappelle l'empereur romain qui est en place à ce moment-là, qui s'appelle Tibère. Donc en fait, cette ville-là est construite à la gloire de Tibère. Donc a priori, c'est une ville romaine à la gloire des Romains, pas très juif tout ça. Il y a une tentative dans le Talmud, des sages du Talmud, d'hébraïser ou de convertir un petit peu le nom de la ville, puisque dans Tibériade ou Tveria, on entend aussi Tabor. Et donc, on va dire qu'elle est appelée Tveria en hébreu parce qu'elle est le centre de la terre, Taburo Shel Haaretz, le nombril du pays. À l'époque du Second Temple, quelle était la vie juive à Tibériade ? Alors, c'est intéressant, et d'ailleurs, ça fait partie de la complexité de cette ville-là qu'on retrouve dans le nom. Au début, pas du tout. La vie juive est à Jérusalem. Le nord d'Israël, c'est un endroit perdu. C'est vraiment, quand on est exilé, on part dans le nord. D'ailleurs, on connaît les noms bibliques des villages qui était dans la région de Tibériade, le long du lac du Kinneret, le lac de Tibériade. Oui. Et donc, on connaît un village qu'on a retrouvé archéologiquement dans le nord, qui s'appelle Rakat, beaucoup d'eau, beaucoup de territoires agricoles. On en connaît un dans le sud qui s'appelle Hamat, notamment la fameuse synagogue dont vous avez parlé. Et entre les deux, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien ? Parce qu'en fait, il y a sans arrêt des glissements de terrain, il n'y a pas d'eau. Et donc, en fait, on enterre entre les deux villages. Et c'est là-bas que Hérode Antipas va choisir d'installer sa ville. Donc on a tout de suite un premier problème de pureté et d'impureté. Vous avez des gens qui sont enterrés dans la ville, donc on ne sait pas vraiment où ils sont. Et donc quelqu'un, un juif qui est pratiquant, n'ira pas habiter à Tibériade. En plus, c'est une ville romaine, avec un cardo, avec un théâtre, avec des bains, etc. Donc au début, pas de vie juive. D'ailleurs, quand c'est que va commencer la vie juive à Tibériade ? On connaît la fameuse histoire qu'il y a dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, de ces trois rabbins qui discutent les bienfaits ou les méfaits des Romains. Alors je vous rappelle qu'il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Yossi, et il y a Rabbi Yehuda. Un quatrième écoute, et c'est lui qui va, par mégarde, va porter leur discussion. En gros, Rabbi Yehuda dit c'est bien, enfin tout ce que les Romains ont fait c'est bien, Rabbi Yossi se tait, et Rabbi Shimon Bar Yochai va dire tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux, ils l'ont fait pour des impôts, ils l'ont fait, etc. etc. L'empereur Adrien, avant de cette discussion, Rabbi Shimon Bar Yochai, contre le progrès amené par les Romains, est condamné à mort. Il doit se sauver, il va passer 13 ans dans une grotte. Rabbi Yehuda est au contraire élevé. Rabbi Yossé, qui s'est tué, est exilé. Où il est exilé ? Il est exilé dans le nord. Et donc il devient Rabbi Yossé Haglili. Rabbi Yossé le Galiléen. Il est le premier, en fait, rabbin d'envergure sérieuse qui passe dans le nord et qui va commencer, en fait, une vie juive et une vie spirituelle, une vie de Torah dans le nord. Alors, si on veut rajouter à la complexité de l'affaire, Rabbi Shimon Bar Yochai passe 13 ans dans la grotte, 12 ans et 1 an, avec son fils Rabbi Elazar. Au bout de 13 ans, on lui dit, l'empereur est mort, Adrien est mort, tu peux sortir. Je vous rappelle qu'il est rentré dans la grotte parce qu'il dit, les bains romains, non, 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 les marchés romains, non. Et la première chose qu'il fait quand il sort de sa grotte, il descend dans la ville païenne, peut-être juive, mais païenne de Tibériade. Et là-bas, il va aller au bain romain de la ville de Tibériade pour soigner sa peau, endolorie après 13 ans dans une grotte. Comme un mikvé ?
Comme un mikvé, ouais, ou comme des bienfaits. Voilà, il va se purifier sûrement dans le lac, mais il va profiter en fait de cette modernité romaine qui l'a condamné en fait, qui l'a condamné contre laquelle il était. Et donc quand il finit, une fois qu'il a fait tout ça, une fois qu'il est guéri, il demande à faire quelque chose pour cette ville-là, un tikkun, à réparer. On lui dit, tu sais quoi, toi, tu ne peux pas aller dans Tibériade. Un juif pratiquant, il ne peut pas aller dans Tibériade parce qu'il y a un problème d'impureté, il y a un problème de tombe, des gens qui ont été enterrés un peu n'importe comment et on ne sait pas où ils sont. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dévoiler les tombes qu'il y a dans la ville de Tibériade et qui va permettre donc au monde juif et au monde juif de la Torah de, en fait, s'installer à Tibériade. Et Tibériade devient le centre spirituel après Jérusalem. C'est à ce moment-là que Tibériade devient le centre spirituel de la vie juive ? Exactement. Et ce sont les élèves de Rabbi Akiva, les grands élèves de Rabbi Akiva, qui vont, en fait, qui sont les pères de toute la loi orale. Et tout ça se passe à Tibériade. On continue. En 1561, Joseph Nassi est nommé seigneur de Tibériade. Certains le voient comme le précurseur du mouvement sioniste. Comment cet homme est vu de l'extérieur ? Ben, je suis assez d'accord. L'histoire est intéressante. Et quand on parle de Joseph Nassi, il faut mentionner aussi une figure féminine qui est Dona Gratia. Au début, on va les appeler João Miquez. C'est comme ça qu'il naît. C'est un jeune Portugais du début du XVIe siècle. Orphelin très jeune, il va être adopté chez une de ses proches, vraisemblablement sa tante, qu'on va appeler pour le moment Béatrice de Luna. Béatrice de Luna va, ils sont très proches les deux, et Béatrice de Luna va très vite hériter en fait de l'empire financier de son mari, la fameuse banque Mendes, et aussi de son empire commercial, le commerce des épices, notamment du poivre noir avec les Indes. En fait, ce sont des conversos les deux. Ce sont donc cette première génération des Juifs expulsés d'Espagne, qui se retrouvent au Portugal, qui sont apparemment complètement chrétiens. Et s'ils ont des côtés juifs, ils sont évidemment très 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 bien cachés. Et donc c'est pour ça qu'ils ont des noms portugais. Finalement, elle n'est pas seulement héritière, et lui n'est pas seulement adopté, mais les deux en fait vont énormément développer cet empire-là. Ils vont se servir de cet empire-là aussi pour développer des relations diplomatiques uniques dans l'histoire du peuple juif de ces temps de l'exil. J'ai lu de nombreux livres sur le destin de Dona Gracia, qu'on a appelée après la banquière, et qui a fini par acheter la terre de Tibériade. C'est une histoire complètement incroyable et totalement méconnue. C'est une histoire qu'on découvre, en fait, qu'on redécouvre au XXe siècle quand on redonne la place à des figures féminines importantes dans l'histoire du monde et dans l'histoire de notre peuple. Mais pourquoi Tibériade ? C'est ça une question qui est intéressante. Ils ont un bail annuel sur la ville de Tibériade, 2000 ducats d'or, et Joseph Nassi, le jeune João Miquez, en fait, redevient Joseph Nassi. C'est lui, en fait, qui va être seigneur de la ville de Tibériade. Alors, pourquoi Tibériade ? D'abord, il quitte l'Europe, tellement antisémite, et finalement, ils vont trouver le havre de paix de beaucoup, beaucoup de juifs de cette époque. C'est l'Empire ottoman, un empire musulman, ottoman éclairé. Ils sont très proches de l'empereur Suleiman le Magnifique, puis de son fils Selim. Et pendant qu'ils sont là-bas, dans cette première moitié du XVIe siècle, ils ont vent d'une aventure pas possible de gens qui sont en fait leurs proches, puisque c'est aussi des descendants d'expulsés d'Espagne qui ont erré en Europe, qui sont passés par l'Empire ottoman et qui sont en train de créer une espèce de souveraineté juive dans la ville de Safed, dans le nord d'Israël. On les connaît, ce sont les géants de la Torah, comme Rabbi Yosef Karo, qui va faire son fameux Shulchan Aruch, cette codification de la loi. À Safed, vous avez Rabbi Moshe Cordovero. Donc vous avez la loi d'un côté, la Kabbale de l'autre. Vous avez aussi, ils vont développer aussi toute une industrie locale. Tout ça se fait à Safed. Et c'est quand Joseph Nassi et Dona Gratia, c'est Béatrice, quand ils ont vent de ce qui est en train de se passer dans le Nord, qui vont, eux, prendre pour cible la ville de Tibériade, et en fait, ils vont être la continuité. Et donc, et pour ces deux-là, et pour le groupe de rabbins, de géants de la Torah, qui se trouvent à Tzfat, à Safed, de façon certaine, ils sont en train d'œuvrer pour la fin de l'exil et le retour du peuple sur sa terre. D'accord. Donc, on peut parler d'une alia, donc des chassidim au XIXe siècle ? D'une alia des chassidim, mais pas n'importe quel chassidim. Vous vous rappelez que le mouvement chassidique,
Au XVIIIe siècle. Donc expliquez-nous ce que c'est pour les spectateurs qui ne savent pas. Voilà, vous avez en Europe de l'Est, oui, surtout dans des communautés qui sont des communautés assez pauvres, vous avez un judaïsme qui est un judaïsme rigoureux, qui est un judaïsme d'études, qui est un judaïsme en général qui est pratiqué par le simple juif sans être vraiment compris et où il ne trouve pas toujours sa place. Et vous avez une figure exceptionnelle qui s'appelle le Baal Shem Tov, oui, le Baal Shem Tov qui va fonder un mouvement extrêmement profond. Un mouvement, il va redécouvrir toutes ces parties de la Torah qu'on appelle les secrets de la Torah, la mystique de la Torah. Et il va redonner sa place au simple juif. Il a un grand élève, qui est le Maguid de Meserich. Et les plus grands élèves du Maguid de Meserich, poussés par leur rabbin, et donc c'est une impulsion qui est chassidique à la base, ça fait partie du mouvement chassidique, vont prendre la route impraticable, compliquée, dangereuse, pour débarquer dans un pays qui est compliqué, qui est dangereux, où il est tellement dur de vivre, et eux aussi s'installent dans le nord d'Israël, à Safed, mais surtout à Tveria, à Tibériade. Ils sont 10 ans, ça c'est en 1800. 10 ans après, vous avez leurs opposants idéologiques, qu'on appelle les opposants au chassidisme, avec à leur tête le fameux, d'un côté vous avez le Baal Shem Tov, de l'autre côté vous avez le fameux géant de Vilna. C'est Rabbi Eliyahu Kremer, le géant de Vilna, la sommité rabbinique de ces générations-là. Et les plus grands élèves du Gaon de Vilna vont eux aussi monter en Israël, eux aussi monter dans le nord d'Israël. Et si vous leur demandez pourquoi vous êtes venus, bah ils sont venus pour poursuivre ce qui a été commencé au XVIe siècle et en fait recréer une souveraineté juive en Israël et appeler leurs frères et leurs sœurs en exil à les rejoindre. Le temps est venu de rentrer à la maison, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'aujourd'hui, Tibériade est devenue une ville multiculturelle et de coexistence et qu'elle est restée le témoin, malgré tout, de l'histoire riche de cette région? L'histoire de la région est riche, l'histoire de la région, elle est paisible, l'histoire de la région, elle permet aujourd'hui de découvrir une amitié et une collaboration entre musulmans et juifs au XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est le seul endroit en Israël et peut-être dans le monde où vous avez une mosquée qui a été construit notamment grâce à une collecte de fonds qui a été faite dans la communauté juive de Tibériade, puisque vous avez un des dirigeants ottomans du XVIIIe siècle, une figure qui s'appelle Dahar El Omar, dont vous allez parler dans le documentaire, qui va faire venir le fameux Rabbi Chaim Aboulafia et recréer une vie juive. Donc vous avez une espèce d'amitié ou de coopération entre musulmans et juifs. Ça, c'est sublime. Et c'est vraiment marquant quand on se retrouve sur les lieux et qu'on voit ça. On ne peut pas évoquer le lac de Tibériade sans évoquer les chrétiens. Est-ce que pour vous, les traces archéologiques chrétiennes tiennent leur place dans la région? Oui. Vous avez deux places de pèlerinage chrétien en Israël. Vous avez évidemment Jérusalem et le mont des Oliviers. Ça, c'est les derniers jours de la vie de Jésus, comme relaté dans les évangiles. Et vous avez le lac de Tibériade, le Kinneret, et plus précisément le nord du lac. Au nord du lac, vous avez en fait la première partie de la vie de Jésus, le dévoilement de la vie de Jésus et les premiers miracles de la vie de Jésus. Okay, ça, c'est dans le nord. Vous avez notamment, on va pas tout, alors c'est très riche, hein, mais vous avez notamment un village, Kafarnaum, Kfar Nahum en hébreu. Dans ce village-là, qu'est-ce qu'on a retrouvé d'intéressant? Vous avez une église octogonale du 5e siècle, mais en fait, cette église-là, elle est en dessous de cette église, il y a une maison. Et donc, les théologiens, les archéologues reconnaissent la maison elle est du 1er siècle, donc on est en plein dans la période de Jésus. Et on sait que dans ce village de Kfar Nahum, qui est un village de pêcheurs au bord du lac, on sait que Pierre habite, qui va devenir Saint-Pierre, et on sait qu'il y a encore trois autres, des élèves qui vont devenir des apôtres, qui habitent ce village-là. Donc, on peut supposer, on n'a pas de trace que Jésus était là-bas, mais il était sûrement là-bas. Alors Jésus, si quand il est là-bas, le Shabbat, le samedi, il va prier à la synagogue, c'est un juif pratiquant du 2e siècle. Donc on va chercher la synagogue de Kfar Nahum, de Kfar Nahum. Il y a là-bas une synagogue magnifique qui en fait, vous avez deux couches, vous avez une couche calcaire, qui est celle du 3e siècle, mais en fait, en dessous, vous avez une synagogue en basalte du 1er siècle, donc de cette époque-là, où Jésus et ses élèves évoluent dans ce village-là. Donc vous avez le miracle du pain et du vin, vous avez le miracle où Jésus va marcher sur l'eau, il va partir de Capharnaüm et va arriver jusqu'à un endroit qui s'appelle Courcy, vous avez le miracle de la guérison des lépreux qui sont envoyés dans le lac pour guérir, etc. Donc c'est un haut lieu de l'histoire chrétienne, de la première partie de l'histoire de la vie de Jésus. Thank you.
Nous sommes dans le nord d'Israël, en Galilée, à quelques centaines de mètres de la ville de Tibériade. Et pour nous accompagner aujourd'hui, pour nous expliquer pourquoi cette ville est fondamentale dans l'histoire du judaïsme, David Shapira. David Shapira, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette ville est-elle si particulière ? Bien, tout d'abord, à partir du IIe siècle, après une révolte sanguinaire et qui a apporté de nombreux massacres, les Juifs quittent la Judée, les Juifs sont expulsés de la Judée et ils vont tous se réfugier ici en Galilée et à Tibériade. C'est la région où on peut dire que commence un processus de la diaspora. Donc Tibériade prend une importance considérable, devient une capitale du peuple juif, je peux dire entre guillemets en exil, mais toujours en terre d'Israël. Et à partir du IVe siècle, ici siège le Sanhédrin, composé de 71 sages, et qui prennent des décisions pour tout le peuple juif. De plus, avec le Sanhédrin, on rédige ici le Talmud de Jérusalem, une création littéraire extrêmement importante, une œuvre fondamentale, puisqu'on sait qu'il y a deux Talmuds, celui de Jérusalem qui est écrit à Tibériade, et celui de Babylone qui est écrit en Babylonie. Enfin, au Xe siècle, dans les années 900, toute une génération de sages qu'on appelle les sages de la Massora, de la tradition, vont ponctuer toute la Bible et vont séparer les phrases et les paragraphes. Grâce à cette œuvre-là qui est monumentale, nous sommes aujourd'hui capables de lire correctement la Bible, de la comprendre, de savoir où une phrase se finit, où un paragraphe se finit, et de savoir quand nous allons à la ligne, quand nous commençons une nouvelle histoire. D'ailleurs, ici, a été rédigée la plus ancienne version de la Bible que nous connaissons, à Tibériade, qu'on appelle le Codex d'Alep. Cette Bible qui date de 930 a eu beaucoup d'aventures, mais elle est aujourd'hui, 10 siècles après, même 11 siècles après, exposée au musée d'Israël de Jérusalem. La boucle est bouclée. De Tibériade commence l'aventure biblique et l'aventure talmudique. Alors David, partons ensemble à la découverte de cette région, de cette ville, berceau de la spiritualité. David, alors quelle est l'histoire de ce lieu ? C'est d'abord un lieu exceptionnel, c'est un lieu où viennent les personnes du monde entier. Nous sommes à Hamat. À Hamat, qui est en fait l'ancien Tibériade, l'ancien endroit où la ville s'est installée. Là où se trouve le centre spirituel, la synagogue. Ce lieu est un lieu unique, il a été dévoilé dans les années 60, fouillé, et nous allons maintenant arriver dans une synagogue qui est exceptionnelle. Alors justement, vous dites exceptionnelle, vous dites unique, pourquoi ? Tout d'abord, pour ce qu'on va y voir, c'est une synagogue qui date du 5e, 6e siècle. Elle fait partie d'une série de synagogues qu'on trouve en Galilée, dans cette région-là. Mais elle a d'exceptionnel la décoration, ou plutôt la manifestation artistique qu'on va y trouver à l'intérieur. C'est absolument, ça n'existe nulle part dans le monde entier. Parce qu'au-delà d'un lieu religieux, c'est un lieu extrêmement symbolique et les paysages sont magnifiques. On est entouré d'oliviers, puis il y a le lac de Tibériade. Absolument. Alors le lac nous sert évidemment comme point d'eau. Qui dit eau dit la vie. Et nous sommes dans un endroit où il y a ici 17 sources différentes qui sortent des entrailles de la terre. Et c'est ici aussi un centre de soins. On vient de tout Israël, on vient du monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les bains chauds de Tibériade, pour s'immerger, pour se baigner, parce que c'est bon pour la peau, c'est bon pour la santé. Alors un lieu religieux, un lieu de soins, mais aussi un lieu de vacances, énormément. Absolument, puisque le lac de Tibériade est un atout majeur, et vous avez tout autour du lac énormément d'hôtels qui fonctionnent et qui accueillent ici les touristes. Donc un lieu à venir voir et à ne pas rater lorsqu'on visite Israël. Donc cette synagogue, elle est spéciale, vous m'en avez parlé tout à l'heure, parce qu'elle a été construite avec des pierres qui ont été ramenées
et que cette synagogue, on n'en construira plus jamais une autre comme celle-là. Absolument. Il y a énormément de synagogues à Tibériade qui sont toutes très connues. Mais si on voulait aujourd'hui essayer de cataloguer les synagogues, on le ferait par époque. On sait que la synagogue remplace le temple lorsqu'il est détruit en 70 de notre ère. Cette synagogue que nous allons voir date de ce qu'on appelle l'époque byzantine, c'est-à-dire on peut la situer entre le 5e et le 6e siècle. Alors impressionnante, hein, cette synagogue, et surtout cette mosaïque, oui, David. C'est un lieu exceptionnel, d'une richesse historique absolument incroyable, d'un faste merveilleux. Et là, nous sommes en pleine richesse artistique aussi, en pleine manifestation d'art. Alors avec des pierres de couleurs incroyables. Elles viennent d'où ces pierres ? Elles ne viennent pas d'Israël. On n'avait pas des pierres comme ça en Israël. Elles sont importées de l'étranger. D'ailleurs, pas seulement les pierres, mais même les artistes qui ont fait cette mosaïque sont des artistes étrangers qui viennent ici, qui ont été commandés par la communauté juive pour exécuter ce travail-là. Et là, vous êtes au milieu des signes du zodiaque. Absolument. Ici, la synagogue est divisée, d'un point de vue mosaïque, en deux parties. Une partie, je dirais, entre guillemets, païenne, et la partie juive. Avec, dans ces décorations-là, vous avez les signes du zodiaque. Vous avez ici le capricorne, vous avez la vierge, vous avez les poissons, vous avez le scorpion. Le taureau, etc. Et vous avez aussi au centre, il y a un dieu, le dieu Hélios, le dieu grec du soleil, le dieu le plus important, le plus adoré, le plus admiré du monde païen. Et aux quatre coins de cette mosaïque, ces femmes-là, qu'est-ce que nous avons quatre visages de femmes dans une synagogue qui mêlent culte et culture. Nous avons des visages de femmes très belles qui représentent chacune d'entre elles une saison de l'année. On a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Parce que nous sommes ici un peuple d'agriculteurs. Les fêtes juives sont aussi fixées par rapport aux saisons agricoles. Une fresque admirable, d'un style tout à fait particulier, dans un lieu de culte monothéiste. Oui, ça ressemble quand même beaucoup à des idoles, alors que c'est interdit normalement, les idoles, dans les synagogues. Alors c'est interdit, toute représentation est interdite, mais en plus, représenter un dieu idolâtre, un dieu païen, c'est très surprenant. C'est d'ailleurs ce qui fait de cette synagogue un lieu exceptionnel. C'est pour cela qu'on vient du monde entier pour la voir. Pourquoi ? Parce que comment imaginer dans un lieu de culte monothéiste de représenter un dieu, un grand dieu païen idolâtre. La réponse, en fait, la réponse est claire. À cette époque où cette mosaïque est créée, il n'y a plus d'idolâtrie, il n'y a plus de paganisme. Le monde païen n'existe plus. Il n'y a plus de tentation d'aller vers les lieux de culte païens, d'aller vers les dieux idolâtres. Quand l'idolâtrie a disparu, on en a plus peur, on n'a plus peur de représenter. Et maintenant, on est dans le domaine de l'art, de la représentation artistique. On n'a plus peur de représenter des dieux idolâtres à l'intérieur d'une synagogue parce que la représentation est belle à la vue. Elle est magnifique d'un point de vue artistique, mais en aucun cas, elle signifie une quelconque attirance envers un culte ou un dieu païen. On reste dans une synagogue. La preuve, c'est l'autre partie de cette mosaïque qui représente des signes juifs par excellence. Oui, qui est vraiment côte à côte. Alors, on a deux menorotes et au milieu. Alors, nous avons deux menorotes, c'est-à-dire des chandeliers à sept branches qui représentent les chandeliers du temple. Puis, nous avons le chauffard, qui est un instrument de culte. Et puis, nous avons le loulav. Le loulav, c'est un mélange, une combinaison de quatre végétaux qui sont utilisés lors des fêtes de Soukhot, les fêtes des cabanes, les fêtes des tentes, qui sont aussi représentées. Et nous avons ce qu'on appelle en hébreu la marvat, c'est une petite pelle qui servait aussi à prendre l'encens pour le brûler. Et c'est un instrument aussi du temple. Donc on a ici l'entrée du second temple qui a été détruit, et tous les objets de culte dont on se servait, et dont on se sert certains jusqu'à aujourd'hui, pour montrer, signifier qu'on est bien dans une synagogue. Donc Soukhot, Rosh Hashanah, les menorot, tout y est. Hein. Pratiquement tout y est. Nous avons aussi, derrière nous, nous avons aussi, si on se retourne, les deux lions de Juda.
lion étant le symbole de la tribu de Juda, étant aussi le symbole de Jérusalem, on a aussi un symbole juif avec à l'intérieur des inscriptions grecques qui remercient les donateurs de cette synagogue, les contributeurs à cette synagogue, parce qu'on parle ici de moyens assez importants pour construire une telle synagogue. Nous nous trouvons au centre de Tibériade et vous allez nous parler de l'histoire de cette communauté juive qui avait complètement disparu au début du XVIIIe siècle et il y a eu une renaissance. Oui, alors en fait, à la fin du XIIIe siècle, dans cette région, la dynastie des Mamelouks, qui va chasser les croisés, détruit systématiquement toutes les grandes villes, y compris Tibériade et d'autres grandes villes. Il faudra attendre 5 siècles pour qu'une communauté juive réapparaisse dans une région qui est très importante, la Galilée. Or, il faudra attendre l'initiative d'un dirigeant absolument incroyable, un dirigeant musulman, qui appellera les Juifs à revenir ici, au XVIIIe siècle, dans cette ville, et construire une muraille, la première muraille moderne de Tibériade. Nous arrivons à la synagogue de Chaim Aboulafia, un rabbin courageux dont vous allez nous raconter l'histoire. Absolument, c'est une histoire d'abord qui commence avec un percepteur d'impôts. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en plein empire ottoman décadent, qui n'a plus les moyens de percevoir les impôts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nomme des autochtones, des percepteurs d'impôts. Un personnage très important va surgir ici, d'une famille de Bédouins, qui s'appelle Dahar El Omar. Dahar El Omar perçoit les impôts pour l'Empire ottoman, et comme ce n'est pas très populaire, il s'entoure de gardes du corps de plus en plus importants. Une partie des impôts, il le garde pour lui, et une autre partie, il l'envoie à l'Empire ottoman. Mais l'Empire ottoman est faible, et un beau jour, il décide de garder l'argent pour lui. Il rentre donc en rébellion, en révolte contre l'Empire ottoman, et il a besoin d'alliés. Et c'est là qu'il va se tourner vers la communauté juive. Il va restaurer des endroits, comme d'ailleurs Tibériade, où nous sommes aujourd'hui, pour amener des juifs. Il va lancer un appel, il va demander à un des dirigeants de cette communauté juive, mais qui est à Smyrne, en Turquie, de venir s'installer ici. Il s'agit du célèbre Rabbi Chaim Aboulafia. C'est un homme âgé, déjà à cette époque-là, assez âgé, qui est presque à la fin de sa vie et qui va avoir un courage formidable parce qu'il est à la tête d'une grande communauté en Turquie et qu'il va tout abandonner. C'est un challenge en fait pour lui. C'est un vrai défi et il va quitter pour une promesse. Pour une promesse, pour revenir dans un lieu qui est une ruine et pour réorganiser la communauté juive, pour réinstaller une communauté qui n'était plus présente, et c'est lui qui est à l'origine de la renaissance de la communauté juive de Tibériade. Finalement, Chaim Aboulafia, c'est un héros? C'est un héros, surtout un homme très courageux. C'est un homme qui croyait que les Juifs devaient se réinstaller dans les principales villes de la terre d'Israël, notamment Tibériade, qui est une des 4 villes saintes, avec Hébron, Jérusalem et Safed. Allez, on va visiter la synagogue. Magnifique synagogue, riche en symboles, alors expliquez-nous. Oui, c'est une très belle synagogue qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, avec des ornements donc modernes, mais qui représentent les attributs des 12 tribus. Vous voyez la balance qui est attribuée à la tribu de Dan et le livre à Issachar. Quand on se tourne vers le mur nord, nous avons le caveau des patriarches, le tombeau de Rachel, le second temple, la tour de David, le mur des lamentations, tout ça c'est des lieux saints, très saints. Mais nous avons aussi le centre de la synagogue qui est, si vous me suivez, qui est juste là où il y a les sifrei Torah, les rouleaux de la Torah qui sont sortis le lundi matin, le jeudi et le Shabbat et les jours de fête et qui sont splendides. Vous avez plusieurs portes, une porte moderne et quand on ouvre, vous avez ici une porte ancienne. C'est absolument magnifique, c'est tout en cuivre. Absolument, qui date au moins de plus d'un siècle. Et quand on ouvre,
Vous avez devant nous les rouleaux saints, les rouleaux sacrés de la Torah qui sont lus le lundi matin, le jeudi matin et le Shabbat et les jours de fête. Shalom. Shalom. Bonjour Yossi Ben David. Shalom. David, voilà, je vous présente le maire de Tibériade qui est venu nous voir dans cette synagogue. Nous sommes arrivés ici à l'endroit principal et parmi tous ces rouleaux de la loi sacrée, voici le rouleau le plus sacré, le plus ancien qui a 200 ans d'existence. 200 ans. אז 200 שנים ופותחים את ספר התורה ומה כתוב פה? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנתך ישראל. Tes tantes Jacob, qu'elle est belle ta demeure Israël. On est juste tombé sur ce passage-là en ouvrant un livre qui a 200 ans, un livre saint de la Torah. Alors je vais profiter d'être avec Monsieur le maire pour l'interroger sur Tibériade contemporaine, la ville contemporaine, la ville en pleine évolution. Merci pour cette belle visite. À bientôt. Allez, on y va. Merci, madame. Alors on l'a compris, finalement Tibériade c'est la ville de la renaissance du judaïsme, mais c'est aussi une ville pleine de symboles. Est-ce qu'on peut parler d'une synagogue qui finalement est précurseur, puisque c'était le vivre ensemble déjà? Il y a une histoire incroyable qui peut nous aider à tous, comment on peut vivre ensemble. D'un côté, Dar el-Omar, qui était le chalit musulman ici, et le rav Chaim Abou Lafia. Comment la communauté de leur a créé un nouveau bête de knesset, qui est maintenant le plus vieux de ובית כנסת אבו לאפיה הוא בית כנסת שהוא סמל בעיר. Il y a cette procession tous les ans, les touristes du monde entier affluent, racontez-nous. בוודאי, התהלוכה הזו מתקיימת הרבה מאוד שנים, מכאן יוצאים מתוך ארון הקודש הספרים העתיקים ואנחנו לוקחים אותם בידיים, תהלוכה רגלית, 3 קילומטרים עד לרבי מאיר ומגיעים מכל העולם. צריך לזכור שטבריה היא עיר קודש, בדומה לירושלים, היא עיר קדושה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים ובאים אליה ממש מכל המקומות, בהילולה של רבי מאיר זו דוגמה מצוינת לראות איך כולם באים, איך כולם חלק מהחגיגה היפה הזו. Ces dernières années, Tibériade a connu de nombreux changements, des changements positifs. Au niveau économique, c'est important pour vous de voir autant de touristes? חשוב לנו מאוד. העיר, 70% מהכלכלה של העיר מתבסס על תיירות. אזרחי צרפת שבאים למדינת ישראל, הקשר היפה הזה, הקשר היפה הזה בין אזרחי צרפת, בין צרפת לטבריה, לישראל, אנחנו היינו פה באירוע הנוראי של הבטקלן. באותו יום היינו אמורים לעשות ברחוב הגליל כחול לבן, כחול לבן זה הסמל של הדגל, של דגל ישראל. אני באותו יום שזה קרה, משל הידידות עם יהדות צרפת, נתתי הנחיה לשנות ולהוסיף צבע אחד נוסף. את הרוז', את הצבע האדום, הטריקולור, ופה אצלנו ברחוב הגליל יש את הכחול, לבן, אדום, וזה היה ההזדהות שלנו עם מה שקרה בצרפת, ואני חושב שהקשר הזה הוא קשר מיוחד במינו, ואנחנו שמחים עליו. מרסי, יוסי בן דוד. מרסי, מדם. Refermons ensemble les portes de cette région, la Galilée, avant d'en ouvrir d'autres vers d'autres horizons fondateurs du judaïsme.
On regarde Tibériade et toute la région du Golan qui est reconnue pour la qualité de ses vins. Le raisin est d'ailleurs cité dans la Bible comme l'une des espèces en Israël. Le symbole pour vous de cette ville de Tibériade, c'est quoi ? Le symbole de la ville de Tibériade, c'est d'abord pour moi l'eau. L'eau, c'est une source de vie. L'eau, c'est une source d'inspiration. Ça, c'est premièrement. Le symbole de la ville de Tibériade, c'est un endroit en Israël qui est un endroit en plein développement, où il y a des efforts qui sont faits pour que cet endroit se développe. Et vous avez, en fait, les habitants de Tibériade et les habitants autour du lac, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre des Six Jours, ce sont des pionniers. Ils sont, de façon régulière, bombardés par les Syriens qui se trouvent sur le plateau du Golan. Le plateau du Golan, c'est un camp, un énorme camp militaire qui fait 74 km, 20 km de long, 20 km de large. Et finalement, après la guerre des Six Jours, le Golan va devenir une terre de paix, une terre de vie, une terre où on développe, une terre où on retrouve en fait ses habitudes agricoles, notamment le vin que vous avez mentionné, parce que le vin avait disparu d'Israël au 7e siècle avec la conquête arabe. On n'a plus le droit de faire du vin. Et donc on passe beaucoup plus à l'olive. Et en fait, on retrouve, à partir des pionniers qui reviennent en Israël, on retrouve en fait cette capacité, cet instinct presque historique à faire du vin et à faire du bon vin en Israël, depuis le baron du Rothschild, et jusqu'à aujourd'hui, des caves magnifiques qu'il y a sur le plateau. On peut parler de beaucoup de rabbins qui ont eu des histoires très particulières dans cette région. Rabbi Meir, Rabbi Akiva, racontez-nous un peu. Alors, on a mentionné Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir sont deux des cinq grands élèves qui vont en fait poursuivre l'œuvre de Rabbi Akiva. On ouvre une parenthèse, on va revenir sur Tibériade, mais on ne peut pas évoquer Rabbi Akiva sans mentionner un petit peu ce personnage central de la transmission de la Torah, de la transmission de la loi orale. Je vous rappelle que Rabbi Akiva est quelqu'un qu'on dévoile à la fin de sa vie. Rabbi Akiva, berger ignare, mais sûrement déjà très brillant. Rabbi Akiva, qui en veut au rabbin, qui a même des termes violents sur les rabbins au moment où il est berger, et il est berger chez le riche, connu dans le Talmud, qui est Kalba Savoie. Il va d'ailleurs se marier avec sa fille contre le gré du papa. Rabbi Akiva qui découvre le monde de la Torah et qui va tout reprendre à zéro et qui va devenir le grand élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On est dans la première génération de rabbins après la destruction du Second Temple en l'an 70. Donc on est en plein traumatisme et il faut repenser. Il faut repenser le monde juif, il faut repenser le monde de la pratique juive. On rentre dans une espèce d'ère de judaïsme sans temple. Et donc on a besoin de géants qui sont capables de donner une impulsion nouvelle à ce peuple juif qui est dans une douleur et dans un deuil pas possible et qui se cherche, qui recherche son nouveau judaïsme. Rabbi Akiva va devenir le pilier de la loi orale. Et donc les élèves de Rabbi Akiva sont eux les maîtres, mais tous les maîtres de la loi orale. La loi orale qui va donner la loi juive, etc., et toute la bibliothèque fantastique qu'on connaît aujourd'hui. Rabbi Akiva va finir sa vie violemment, puisqu'il est celui qui va, la figure spirituelle, la figure rabbinique, qui va soutenir la fameuse révolte de Bar Korba. Bar Korba, c'est le général de la révolte, de l'an 132 à 135, donc 60 ans, quelques 65 ans après la destruction du Second Temple, contre l'empereur Adrien, contre les forces romaines. Une révolte qui va faire très très mal aux Romains. Ça va leur prendre 3 ans pour reprendre le dessus. Et donc évidemment que Rabbi Akiva est mis à mort. Il est condamné à mort parce qu'il a soutenu la révolte. Il est condamné à mort parce qu'on comprend qu'il est en fait le moteur spirituel de ce peuple qui ne veut pas se soumettre. Et finalement, on l'attrape et il est mis à mort à Césarée, dans l'amphithéâtre de Césarée. La date, on la connaît, c'est juste avant Kippour. Donc c'est le 9 du mois de Tishrei, juste avant le jour de Kippour. D'ailleurs, dans la prière ashkénaze, on mentionne au tout début de la prière de Kippour, le fameux Kol Nidre, on dit un verset, et ce verset-là mentionne dans ses dernières lettres du verset le nom Akiva. Donc on le mentionne vraiment entre le moment où il meurt et le moment où Kippour. Ce rabbin-là a créé une école, elle est encore là aujourd'hui ? Elle est encore là puisqu'on est là. Et puisqu'on a une pratique juive. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va... La loi, rappelez-vous, on a une loi écrite, on a des écoles de rabbins, mais tout reste oral. On n'écrit pas la loi orale. D'ailleurs, il y a une interdiction d'écrire la loi orale. Et avec la destruction du Second Temple, et jusqu'au IIIe siècle, on se met à écrire de façon frénétique
parce que sinon tout va se perdre. Et grâce à ce courage de cette école rabbinique, eh ben, en fait, aujourd'hui, on a des textes qui sont ces textes, qui sont la suite, en fait, qui sont les mêmes textes, les mêmes pratiques que ce qu'il y avait depuis toujours dans cette chaîne de transmission du peuple juif. Le grand écrivain, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, qui évolue aussi dans le nord du pays. Mais Rabbi Yehuda Hanassi est un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a mentionné. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que nos sages nous disent toute la loi orale va selon Rabbi Akiva. Il est le père de la loi orale. Donc l'emblème de cette région rabbinique, je dirais, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, c'est ses élèves. D'ailleurs, vous avez à Tibériade la tombe de Rabbi Akiva. Alors qu'on n'a pas de mention d'où est-ce qu'il a été enterré. Mais, si, mais d'après ce qu'on a raconté, là, d'après ce qu'on a parlé, c'est assez logique qu'une fois mort, Rabbi Akiva, la dépouille de Rabbi Akiva va être amenée dans le nord d'Israël, où se trouvent et évoluent ses élèves et où son école commence à prendre forme. Et si on parle de destin de femme, comme on en a parlé un petit peu précédemment, on peut dire que l'emblème de cette région a été marqué par la personnalité, par l'engagement de Donna Gracia. Donna Gracia, assurément. D'ailleurs, Donna Gracia, on n'a pas de traces physiques. Donna Gracia n'était pas à Tibériade. Mais elle est mentionnée aujourd'hui dans la ville, son histoire est mentionnée. Beaucoup de livres sont écrits sur l'histoire de Donna Gracia. C'est un personnage que je sais que vous aimez particulièrement. Le courage de Donna Gracia, cette capacité à, elle aussi, se réinventer, à revenir au sein du peuple juif. Imaginez, imaginez, après tout ce qu'ils ont subi, ils ont été poursuivis par des rois, par Charles Quint, par le roi de France. Et après tout ça, Donna Gracia arrive donc dans cet empire ottoman, et quand elle arrive dans, dans cet empire ottoman, elle se défait de son masque chrétien, elle redevient juive, après 30 ans, 40 ans passés, elle redevient juive, Chana, Gracia c'est Chana en hébreu, donc elle redevient Chana, et plus Béatrice, mais en fait, elle va se servir de son influence, elle va se servir de ses dons incroyables en affaires, en finances, etc., pour commencer à penser les blessures de son peuple aimé. Donc c'est un personnage très très inspirant, très inspirant. Et c'est pas par hasard, je crois en tout cas, qu'elle a la capacité de sentir ou de pressentir qu'il y a quelque chose, que les portes commencent à s'ouvrir, les portes d'Israël commencent à s'ouvrir. Elle a une conscience collective, elle a une conscience nationale. Et donc s'il y a quelque chose qui se passe à Safed, un petit village perché à 1000 mètres, dans la Galilée, elle comprend que ce n'est pas un petit truc de rien du tout qui est en train de se passer, mais qu'en fait, bah, à mon humble avis, ce sont les premiers sionistes. C'est-à-dire, là, moi, quand je suis arrivé en Israël il y a un peu plus que 30 ans, j'ai l'habitude de dire que je me suis engouffré dans une porte ouverte. Les portes de la Alia, elles étaient grandes ouvertes pour moi. Mais si ces portes étaient grandes ouvertes, c'est parce qu'il y a des premiers personnages au XVIe siècle qui ont mis un coup d'épaule. Ça leur a fait un peu mal, c'était difficile. Et qui ont en fait défoncé, entrouvert ces portes-là. Et en fait, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Yossi Twitou, merci. Merci à vous. Merci pour ce, d'abord pour cet enthousiasme, pour cette précision sur cette ville qui a tant d'histoire, sur cette région qui est un symbole très très fort et du judaïsme et de la terre d'Israël. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prenez soin de vous et à très bientôt.